Je reviens du Japon, j'ai rencontré l'auteur de Quelques mots d'amour, un best-seller que je dois traduire pour mon éditeur et ami Olivier Artigue. Sayonara, sayonara. J'ai à peine un mois pour traduire 600 pages, c'est l'horreur. Mais j'aurais dû accepter. Monsieur, monsieur. T'es soulagé de rentrer chez moi, de retrouver Laurence, la femme que j'aime et sa fille Gaëlle. J'avais hâte de me mettre au travail et de m'enfermer seul dans mon bureau à l'abri du monde et de ses problèmes. Alors ça, pour travailler, moi j'ai besoin de solitude, de calme et de silence. Ça se voit pas, je recous ma tante. Oui, bon, d'accord, qui êtes-vous? Vivant, et vous, vous êtes qui? Je suis le beau-père de Gaël. Ah ouais, l'écrivain, là, le marrant. Ah, d'accord. Ah, faut pas vous fâcher, monsieur. Mais c'est quoi, ça? Vous êtes de la maison? Salut. Salut. Vous savez pas, je peux trouver du shampoing. Elle est où, Gaëlle? Gaëlle est partie faire des courses. Il n'y avait plus rien à grignoter dans le frigo. Moi, je reviens du Japon, alors j'ai pas eu le temps de faire des courses. Voilà, je suis désolé, hein. Si t'allais pas rester au Japon. Bon, et toi, t'es pas dans le Vercors? Oh, arrête, on t'est pas parti depuis deux jours qui s'est mis à flotter, l'horreur. Le froid, le brouillard, enfin, la totale. Alors bon, j'ai décidé de passer le reste des vacances chez maman. Bon, d'accord, dis-moi, tes petits copains, ils vont pas rester là, hein? Ah bah si, ils vont rester quelques jours. Ils sont de Toulouse. Bon, écoutez, t'es bien gentil, mais en ce moment, c'est pas possible. Toulouse ou pas, moi, j'ai du travail. Bah, je vois pas en quoi on va te gêner, hein. Bah, tu vois pas en quoi? Oh, fais pas cette tête, c'est juste pour 8 jours. Allez, Pierrot, sois cool. Bon, ne m'appelle pas Pierrot, s'il te plaît. Vous voyez l'antenne de télé, là? Oui. Eh ben, ma péniche est juste en dessous. Ça s'est passé il y a 2 jours. J'étais à l'enterrement de mon oncle, gros. Je rentre, plus de maison, plus rien. Je suppose que c'est une barge qui l'a défoncé. Résultat, tout ce que je possède est au fond de l'eau. Ah là là. Je vais faire mon rapport à la compagnie. Dans un premier temps, on va renflouer votre péniche, et puis après, on évaluera les dégâts à sec. Impeccable. Et ma famille et moi, on l'en joue en attendant. Je crains que votre contrat ne comporte pas de clause d'hébergement en cas de sinistre. Ah, vous êtes bien, vous, les assureurs, hein? Tiens, vous vous rendez compte? Ma péniche coule. Vous voyez l'antenne, là? Elle est juste en dessous. Et c'est moi qui vais payer l'hôtel? Alors ça, hein? Alors ça, pour nous piquer notre pognon, vous êtes fort. Mais pour le reste, il n'y a plus personne. Escrocs! Oh! Allez, salauds! Finalement, tu n'as pas fait ta vie au Japon? J'ai 5 jours de retard, c'est quand même pas. T'aurais pu appeler? Ah oui, je sais bien, tu sais, avec le décalage, le travail. Hein. Alors, rassure-moi, le camping à la maison, c'est provisoire. Hein. Écoute, Pierre, je peux pas refuser à Gaëlle de passer quelques jours à la maison avec ses copains. T'as vu l'appartement? Il y en a partout. Toi, dès qu'une fourchette est de travers, tu t'angoisses. Extraordinaire. T'as pas l'air de comprendre que pour travailler, j'ai besoin de calme, de solitude et de silence. Pierre, c'est ma fille. Et c'est mon appartement. J'aurais jamais dû revendre mon studio. Pas cette tête-là. Bah, écoute,
On va trouver un statu quo. La porte. Pierrot, oh. On va commander des pizzas pour midi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, margarita, printanière, trois fromages, avec anchois? La paix sans anchois, voilà, ça me ferait vraiment plaisir. La porte! Yvan, téléphone. Allô? Ah, la boulette! Ça va bien? Ah, moi ça va bien, tranquille. Ah non, là-bas c'était horrible, y a pas arrêté de pleuvoir, c'était une horreur. Ah, je pense pas que je vais rentrer bientôt, non, non. Ça se passe bien ici, c'est tranquille. Ouais. Ah, t'as plus de pièces? Ah, vas-y, fais-moi ton numéro, je te rappelle. Eh, c'est quoi l'indicatif pour l'Inde? 0-0. Je lève mon verre au succès certain de quelques mots d'amour. À mon fidèle ami et néanmoins auteur, ainsi qu'à sa délicieuse compagne et à Inge. Ya. Vous êtes d'où exactement? Ya. Ya, ya. Non, te fatigue pas, et comprends rien, pas un mot de français. Hein. Alors, Laurence, tu vois bien, le vieil ours maniaque est pas trop insupportable, non? Il est pas insupportable, il est odieux. Oh, c'est Balzac qui disait « Le talent ne s'épanouit que dans le célibat ». J'aurais dû lire Balzac avant de rencontrer Pierre. Vous adorez. Bon, ça avance bien, t'en es où hein? Page 3. Très drôle, il est funny, hein. Funny. Enfin, je sais pas si je suis funny, mais c'est la vérité, j'y arrive pas. Comment ça, t'y arrives pas? Bon, avec les copains de Gaël, le téléphone, les portes qui claquent, j'arrive pas à me concentrer, mon vieux. Tu mets de la mauvaise volonté aussi. Voilà, ça c'est formidable, c'est moi qui mets de la mauvaise volonté. Ils sont là toute la journée à moitié à poil sans rien foutre, mais c'est moi qui mets de la mauvaise volonté. Attends, non, mais si tu t'isolais pour écrire. Où? Mais où? J'ai vendu mon studio. On le saura. Moi je t'ai rien demandé, c'est toi qui as voulu t'installer chez moi. Attends, parce que j'ai peut-être une idée. Une maison isolée dans le sud-est avec tout le confort, piscine, calme absolu, ça t'irait ça? Si tu payes le loyer, pourquoi pas? Allô? Félix? Ouais, c'est moi. Ça va? Ouais. Dis donc, t'as personne en ce moment? Non, je veux dire, t'as pas de locataire? Ouais, non, parce que j'ai un ami que ta maison intéresserait, là, pour un mois. Non, c'est pour écrire. D'accord. Ouais, je t'embrasse. Au revoir. Voilà, ça y est, c'est vendu. Tu peux y aller dès demain, si tu veux. C'est qui, cette Félix? Une de tes maîtresses? Oh non, tout de suite, c'est ma demi-sœur. Tu vois le pot qui est dans mon bureau, hein? Vaguement, oui. Eh ben, c'est elle. Physiquement? Mais non, elle est potière, elle est fabrique. Potière? T'as une demi-sœur potière, toi? Elle a eu des ennuis financiers, alors elle loue sa maison, mais enfin, uniquement des années. Puis il y a quelques mois, son mec est parti avec une jeunesse. T'es de famille? Ça va pas, tout de suite. Inge, c'est la fille d'un ami éditeur de Stockholm, alors. Hein? N'est-ce pas, Inge? Yeah. Tu vois? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est parce que je m'en vais pendant un mois, c'est ça? Non! Parce que tu aurais pu au moins me demander mon avis. Laurence, hein? Tu crois que j'ai pas compris? Mais compris quoi? Ce dîner, c'était uniquement pour m'annoncer la nouvelle. Vous étiez déjà d'accord, Olivier et toi? Mais pas du tout, pas du tout. Ouais, la nuit sœur potière qui est là quand on l'appelle, qui loue sa maison tout de suite, c'est un peu gros. Non, moi je ne savais pas qu'il avait une sœur potière. Tu le savais, toi? Oui, c'est ça. Prends-moi pour une conne. Prends-moi pour une conne! Pas du tout. C'est très important pour moi ce bouquin. Olivier a pris les droits 3 autres. Autrement, si je rate mon coup, il va les confier à cet imbécile de Coulon. Comme ça, tu pourras partir 3 fois. Bon, écoute, j'ai besoin de solitude pour travailler. Tu peux comprendre ça quand même, non? Ce que je comprends, c'est que t'as besoin de solitude tout court. Pourquoi t'as voulu vivre avec moi? T'étais très bien tout seul. Pourquoi t'as vendu ton studio? Parce qu'on s'aimait. Et parce qu'à l'époque, ta fille vivait chez son père. Voilà. Thank you.
moi je vous dépose. Parce que j'ai pas envie de laisser la suspension. Ça fait 437 francs. Dites-moi, vous êtes sûr que c'est là? De toute façon, je veux parler plus loin. Oui. Le monsieur de Paris? Oui, voilà, je suis Pierre Bazaille, l'ami d'Olivier. Alors vous, je suppose que vous êtes Félice, sa demi-sœur. Ah non, pas du tout, je suis Jeannette, une voisine. Ah pardon, excusez-moi, enchantée. Félice m'a demandé de préparer la maison pour votre arrivée. Mais dites-moi, vous l'avez laissée où, votre voiture? Oh, j'ai pas de voiture. Ah, vous n'avez pas de voiture ici? Non. Vous allez devenir chèvre, hein? Vous savez, c'est pas grave, je suis là pour travailler. Hein. Ah oui, mais moi, je serais vous, j'en aurais quand même une, hein? Oui, non, mais j'ai pas de permis. Eh ben mon pauvre, ben, allez-y. Pardon. Bon, mais je crois que vous avez tout ce qu'il vous faut, alors je vous laisse. J'ai rendez-vous en ville pour l'échographie. Bonne journée. Oui, merci, vous aussi. Ah oui, c'est l'endroit idéal. Calme, solitude, silence, dans un mot, le bouquin est fini. Pas de problème. C'est vous, Yvan? Bon, passez-moi Laurence, s'il vous plaît. Elle n'est pas là? Bon, alors passez-moi Gaëlle. Elle est avec sa mère, bon. Mais non, Annie, j'ai rien à lui dire. Bon, écoutez-moi bien, Yvan. Quand vous verrez Laurence, vous lui direz que je suis bien arrivé, que l'endroit est magnifique, totalement désert, et que je finirai peut-être mon travail plus tôt que prévu. Hein? OK? Compte sur vous, hein? Donc, au revoir. Impossible de retrouver le mien. Il était un peu... Je l'ai mis au sale. Ah ouais? C'est vous qui avez becqueté mon jambon? Écoutez, j'ai mangé du jambon en effet, mais enfin, je ne savais pas qu'il était à vous. À qui voulez-vous qu'il soit? Je suis désolé.
C'est vous le fameux Pierre Bazeille? Oui, c'est moi, oui. Je vous imaginais pas du tout comme ça. Ah bon? T'as lu mes livres? Non. Pourquoi? Mais non, pour rien comme ça. La maison vous plaît? Oui, la maison, oui. Je sais pas vous, mais moi je suis cassée. Ils sont allés se coucher. Se coucher? Bah oui, dodo, quoi. Mais attendez, vous allez dormir ici? Bah oui, c'est chez moi. Oui, non, mais d'accord, mais il n'était pas prévu que... Mais pas cette tête, je vais pas coucher avec vous. Oui, non, bah oui, non, oui, quand même. J'ai un lit dans l'atelier. Hé hey. Oui. Merci. La porte. Oui. Vous avez bien dormi? Mais ben non, pas vraiment. Non, je me suis rendormi à 5 heures, puis j'ai pas entendu mon réveil. Votre réveil? Vous aviez un rendez-vous? Oui, avec mon travail. Bon, dites-moi, il n'y a pas de café dans cette maison? Vous n'avez pas amené? Non, je suis pas censée fournir la bouffe. Ah bon? Ah bon, bon, ah oui. Vous voulez un verre de lait? Oh non, 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 merci. Non, ça, le matin, ça me barbouille. Ah bon? Oui, moi, j'ai l'estomac un peu fragile. Moi, j'ai pas vu votre caisse. Ah non, non, mais j'ai juste une valise. Non, votre voiture, vous l'avez planquée où? Ah, ma caisse! Ah, bah, je ne l'ai pas avant, je suis venu en taxi. C'est pas vrai. Comment vous allez faire pour aller en ville? J'ai pas l'intention d'aller en ville, hein. Je suis là pour travailler, vous savez. Bon, je vais faire des courses. Je vous ramène du café, des provisions? Bah, ce serait gentil, oui. Dites pour le café 100% arabica, hein. C'est le seul que je supporte. Votre estomac? Bah, voilà. Bah, dites donc, vous êtes pas un simple, vous, hein. Ça n'est pas Félix. Bon, écoutez, je ne sais pas. Voilà. Elle rentre quand elle veut. Hein. Je vous rappellerai plus tard, c'est ça. Après 20 heures de préférence, parce que je travaille. Voilà, merci, au revoir, monsieur. Oui, j'ai failli me faire bouffer par un chien, mais enfin, à part ça, c'est assez beau. Hein. Le chien des Mathieu, il est aussi rancunier et grognon que son maître. Ils ont jamais supporté que mon mec et moi, on achète une maison dans le coin. Ah bon? Là, je vous ai pris tout le nécessaire, là. Hein. Du pain, du café, un poulet, des asperges et votre fameux café, quoi. Alors, ça, ça fait 527 francs. Bon, je vais vous faire un chèque, alors. Vous n'auriez pas de liquide, ça m'arrangerait. Parce qu'en ce moment, la banque et moi, on n'habite pas la même rue, vous voyez? Ah oui, je vois. Bon, et où est-ce qu'il y a un distributeur de billets dans le coin? À 50 bornes au village. C'est pour avoir 50 km, mais qu'est-ce qui vous a pris de venir vous installer ici? Plein de trucs. Le bruit, la pollution, le stress, le ras-le-bol de Paris. Plein de trucs, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un poulet. Vous avez déjà vu un poulet, quand même, non? Avec toutes ces plumes, non? Je l'ai pris à la ferme. Nourri en plein air, au grain. C'est quand même mieux que les poulets anémiques du supermarché, non? Oui. Oh merde, de merde. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Vous avez acheté du Robusta, je vous avais dit de l'Arabica, 100% Arabica. Le Robusta, c'est trop acide le matin pour l'estomac. Oh là là! J'espère pour votre femme que vous n'êtes pas mariés, vous, hein? Parce que comme chien, vous vous posez là, hein? Dites donc, on n'a pas gardé les poulets ensemble, hein? Mais la prochaine fois, vous irez les faire vous-même vos courses. Il y a un seul axe dans la cour, démerdez-vous avec, salut! Possible.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, madame, je suis écrivain, hein? Ah oui, pas de mal, et alors? Bon, j'ai loué cette maison pour être au calme, et j'ai besoin de le silence pour travailler. Vous comprenez ça? Ça s'entend beaucoup de la côté? Vous foutez de moi? Non. Quand je travaille, je suis ici, pas à côté. Je ne peux donc pas entendre ici le bruit que je fais à côté. Vous comprenez ça? Bon, madame... Chastel. Félice Chastel. Bien. Alors, madame Chastel, j'ai loué cette maison sans savoir que je devais la partager avec une potière bruyante. Je n'ai pas le temps d'en trouver une autre maison, et j'ai un livre à finir de manière urgente. Vous pouvez comprendre ça? Jusque-là, ça va. Bon, il faut donc fixer des règles précises. Un statu quo, sinon je ne réponds plus de rien. OK? OK, OK. Statu quo-ton. Bon, alors, à partir de maintenant, c'est chacun chez soi et en silence. On est bien d'accord, madame Chastel? D'accord. Voilà déjà, pour le silence, pour le chacun chez soi, vous sortez parce que là, vous êtes chez moi, OK? Vous avez bien fait de fuir la pollution parisienne, hein? Ça va, pas trop fatigué? Tout baigne, et toi? La routine, deux incendies, un dégât des eaux, les emmerdeurs. Toujours pas de nouvelles de Pierre? Silence radio. Arrivé sur le site. C'est pas tant que ça, pourquoi tu l'appelles pas? Parce que c'est pas à moi d'appeler. Oh, c'est pas vrai, mais vous avez quel âge? Oh, ça va. Attends, moi, quand un mec me branche, je lui dis. Hein. Et quand il me gonfle, je lui dis aussi. Ah oui? Mais ouais, les hommes, si on les scoupe un peu, ils bougent pas. Non, c'est sûr, quand on voit ton copain. Ah ben, en tout cas, c'est pas comme ça que tu te feras épouser par Pierre. De quoi je me mêle? J'essaie juste d'aider ma petite maman chérie. Parce que je sais qu'elle est pas heureuse. Je pense que rien n'est prêt pour dîner. On est les 6 mètres, on attendait la fin du feuilleton. Ah, madame. Eh ben, j'avais oublié de vous dire, mais... Il l'a appelé. Qui ça? Bah, lui, là, votre Pierrot. C'est pas vrai. C'est maintenant que tu le dis, t'attendais la fin du feuilleton, toi aussi? Je sais, mais c'est bon, j'ai oublié, c'est tout. Bon, alors qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il a dit... Bah, ça, je peux plus m'en rappeler, hein, c'était il y a 2 jours, quand même. C'est tout. Oui, ah non, 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 c'est à cause des boules caisses. Non, non, tu sais, pour me concentrer, je... Mais des boules caisses, ça isole bien. Mais des boules caisses à la campagne. Ouais, non, mais les oiseaux font trop de bruit ou quoi? Parce que si c'est pour travailler avec des boules caisses, t'aurais pu en mettre à Paris et rester avec moi. Lucie, fais attention, tu sais. Ken, tu m'entends? Hein? Oui, oui, non, non, je suis là, je suis toujours là, oui. Oui, oui. Oh, écoute, ça va. Oui, oui, non. C'est joli, quoi. La vue est très belle. Non, ce serait plutôt agréablement vallonné. Voilà. Bah non, tu sais, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, je travaille. Voilà. Tu veux passer le week-end prochain? Oui. Bon, écoute, c'est pas commode, ça, parce que je vais pas pouvoir m'occuper de toi. Je suis très en retard sur mon planning, tu sais. Hein? Bon, je te rappelle. Peut-être qu'un autre week-end, tu seras plus disponible. Vous, l'expert de l'assurance? Oui, pourquoi? Ça vous gêne que je sois une femme? Non, pas du tout, je demande ça comme ça. Hein. Bon, allez, on va la voir, votre foutu grue. Thank you.
pas vrai, c'est pas vrai. Madame Chastel. Madame Chastel, c'est quoi ça, hein? C'est quoi exactement? C'est du café. Oui. Je vous remercie, j'ai vu. Je peux savoir comment c'est arrivé sur mes notes? Eh bien, je suis venu passer l'aspirateur. Passer l'aspirateur, mais je vous ai rien demandé. Si je veux passer l'aspirateur, je le passe tout seul. J'ai besoin de personne. J'ai horreur qu'on touche à mes affaires. Mais alors, horreur! Oui, bon, ça va. J'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie. On va pas passer l'hiver là-dessus. Pour trois gouttes de café. Trois gouttes de café. Regardez-moi ça, l'encre à baver, je peux à peine me relire. Oh non, non, vous êtes vraiment pénible, hein. C'est marrant que vous soyez nerveux et agressif comme ça. Ça correspond pas du tout à ce que vous écrivez. Vous en savez, vous avez jamais lu mes livres. Vos vieux bouquins, non. Mais ce que vous écrivez en ce moment, c'est très sensible, très romantique. Enfin, ça me plaît bien. Ah bon, ça vous a intéressé? Ah oui. Une tarte de connaître la fin? Oui, la fin. Ah, mais la fin, c'est assez. Comment dire. Enfin bon, Sachiko, l'héroïne, va. Vous avez allumé mon ordinateur? Bah oui. Non, non, non. Là, on passe les bornes. Bah quoi? Un roman, c'est fait pour être lu, non? Mais ouvrez mon courrier pendant que vous y êtes. Les lettres aussi, c'est fait pour être lu. C'est pas vrai, vous faites vieux garçon râleur, c'est terrible. Son petit Aramica, ses petites notes, son petit ordinateur. Bon, vos jugements, vous les gardez pour vous, hein? Parce que comme chieuse, vous vous posez un peu là. D'ailleurs, je commence à comprendre pourquoi votre mec s'est barré. Merde. Ah, je suis vraiment désolé, je l'avais prévu. Ah, mais c'est pas vrai, pas le vase en cristal. Ah, mais ça doit pouvoir se recoller. Non, ça ne peut pas. C'est foutu. Vous êtes vraiment con, vous le faites exprès. Attends, pourquoi tu lui parles comme ça? C'est pas très grave. De toute façon, c'était une horreur, ce vase, alors. Ouais, franchement, il était moche, hein. Bon, ça suffit comme ça. Alors, tes petits copains vont faire leurs bagages et aller casser les vases chez eux à Toulouse. Maman, arrête. C'est... Et toi, tu rentres chez ton père. Oh là là, sympa. Dis-moi, c'est grand chez ton rap? Ouais, ça va, ouais. Pourquoi vous êtes barricadé d'abord? Parce que j'ai une voisine qui m'emmerde. Dites-vous bien que c'est réciproque. Je n'en doute pas. Qu'est-ce que vous voulez encore? J'ai fait sauter le plomb, il faut que j'aille rebrancher le disjoncteur, il est là-bas dans le couloir. Non. Comment ça, non? Je veux plus vous voir chez moi, hein, disjoncteur ou pas. Ok, allez le rebrancher vous-même. Non. Vous êtes vraiment con, vous le faites exprès? En ce moment, je le fais exprès, hein. Un peu de vrai silence, ça me fera pas de mal, parce qu'à force, les boules de caisse, ça m'irrite les pavillons. Oh, pour chouchou, hein. Bon, ça va rentrer chez vous, sinon je vais vous gifler. J'aimerais bien voir ça. Allez-y, allez-y, qu'on se marre un peu. Foutez le camp. Je vous signale que sans électricité, vous n'êtes pas prêt de finir votre foutu roman à l'eau de rose. Je m'en fous, je suis sur batterie. Félix, ça va? C'est ma demi-sœur, tu sais, la potière.
Qu'est-ce que c'est que ce malade que tu m'as envoyé? C'est un vrai tordu? Pierre, un tordu? Je comprends pas. C'est un garçon plutôt discret et bien élevé. Un petit peu maniaque, c'est vraiment pas très convenable quand même. Mais depuis qu'il est là, c'est l'horreur. Il n'arrête pas de le chercher. Je suis la dernière. C'est pareil qu'elle est chez lui. Enfin, chez moi. Il m'a coupé l'électricité. C'est pas vrai. Il lui a coupé l'électricité. Aïe. Attends, il est là? Attends, reste en ligne, je l'appelle. Oui? Ah oui, Olivier, salut, comment vas-tu? Oui. Oui, le roman avance, oui. Oui, il avancerait mieux s'il n'y avait pas ta demi-sœur. Je suis désolé de te dire ça, mais elle est folle alliée, mon vieux. Attends, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que là, elle vient de m'appeler, elle prétend que tu lui as coupé l'électricité. Non, mais c'est faux. C'est elle qui a fait sauter les plombs et son foutu compresseur. Hein? Je suis obligé de travailler avec des boules caisses. Tu te rends compte? Des boules caisses? Oui. Oui, d'accord, je quitte pas. Évidemment que je me sers de mon compresseur. Faut bien que je travaille. C'est un vieux râleur, je te dis. Rien le dérange. Il est gnangnan, il chipote surtout. Non, je quitte pas. Mais oui, allô? Oui, non, attends, mon vieux, je regrette. Tu m'avais promis une maison calme, isolée, propice à la concentration. Ici, c'est Beyrouth Ouest, au pire moment. Hein? Non, mais tu t'es bien gardé de me dire que ta demi-sœur vivait sur place. Alors elle fouille dans mes affaires, elle renverse du café sur mes notes, et puis alors dis donc, je te parle pas du bruit, hein. Bon, écoute, mon vieux, si elle est complètement névrosée, c'est tout de même pas de ma faute. Oui. Bon, d'accord, je ne quitte pas. Allô, oui? Il est totalement coincé, obsessionnel, psychorigide. Je vais te dire, son vrai problème, c'est qu'il déteste les bonnes femmes, c'est tout. Mais absolument! Je déteste certaines femmes, et en particulier celles qui s'habillent comme des sacs, qui refusent leur féminité et qui compressent! Tu vois, Jean, l'auteur à la noix qui se défoule dans ses romans parce que dans la vie, il est incapable d'aimer. Je connais qu'il ferait mieux de se taire, hein, quand on en est réduit à tripoter de la terre glaise. Et alors? Qu'est-ce que c'est pour vous, une femme? Un objet décoratif? Qui reste en place, là où on la pose, en attendant les désirs de monsieur? Dites donc, je vous en prie, hein. Qu'elle mêle sa vie, qu'elle pense, qu'elle travaille, qu'elle ne cherche pas qu'à séduire, ça vous dépasse, hein? Eh bien, moi, je suis comme ça. Et c'est pas pour vous que j'ai changé. Je ne vous demande pas de changer. Vous êtes comme vous êtes, ça ne me regarde pas. Mais dans la mesure où on est obligé de se supporter, pourriez faire un effort. Vous aussi? Ah bon, c'est à moi de faire des efforts? Oui. En arrêtant de jouer au con. Parce que vous jouez à quoi, vous? Bon. Vous allez me remettre l'électricité? Oui. Ou merde? Merde! Allô, Félix? Pierre, réponds-moi! Je suis vraiment très inquiet, là. Il finira jamais le bouquin à temps, j'aurais dû prendre Colombe. J'en ai rien à battre. Quoi? J'en ai rien à serrer, toutes tes histoires de famille. Attends, tu parles français? Eh oui, assez pour te dire que tu me gonfles. Salut. Chastel, je ne trouve pas le disjoncteur. Je nous fais un petit café peut-être, hein? Un petit arabica? Café, c'est d'accord. Là, vous me prenez vraiment pour un vieux grognon misogyne? Tous les hommes le sont un peu, non? Peut-être, mais... C'est pour les fuir que vous êtes venu ici? Non. J'étais bêtement pour en suivre un. François pensait qu'on serait plus heureux ici. Et pendant 2 ans, ça a été vrai. Que petit à petit, ses séjours à Paris sont devenus de plus en plus fréquents. Je l'aimais, je faisais bêtement confiance. Et un jour, il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un. Et vous êtes resté là à l'attendre? Au début, oui. Et maintenant?
J'aimerais arriver à ne plus l'aimer. C'est pas ici que vous allez rencontrer quelqu'un. Non. En fait, je crois que je serais incapable d'aimer quelqu'un d'autre. Je suis persuadée que si, moi. Olivier, assieds-toi. Oui. Non, non, mais je t'ai levé, là. Travailler. Oui, je travaille. Hein? Pierre, je m'en veux de t'avoir laissé partir. J'ai mal réagi. Non, écoute, j'ai mis tout le monde à la porte. J'y supportais plus. La maison est vide et silencieuse. Trop silencieuse. Tu veux pas rentrer? Bon, écoute, là, je suis sur un passage difficile, alors je te rappelle. Voilà, ça, je t'embrasse. Moi aussi. Oui, très fort. Votre Solex ou ma voiture? Madame Chastel, voilà, je vais rentrer à Paris. À cause de moi? Aussi, oui. Il y a quelqu'un qui vous attend? Voilà. Évidemment. Vous êtes mariée depuis longtemps? On vit ensemble depuis 6 ans. Vous avez des enfants? Elle, oui. Une grande fille. Et votre amie accepte que vous partiez comme ça loin d'elle? Pour écrire? Bon, vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive, hein, enfin, depuis que je suis installé chez elle. Vous garderez pas un trop mauvais souvenir de tout ça? Non. Quelques regrets, peut-être. Faut pas. Non, faut pas. Malgré tout, je suis contente de vous avoir connue. Moi aussi. Malgré tout. Merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la voiture de François. François ? Mon mec! Ah bon, en effet, il manquait plus que ça. Monsieur Bazeille? Oui? Il faut absolument que vous me rendiez service. Oui, je comprends. Vous voulez que je vous laisse la chambre? Bon, ben, c'est d'accord. Oh, ça va vous paraître complètement débile, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut que vous soyez mon amant. Pardon? Il faut que vous soyez mon amant. Là, tout de suite? Oui. Mais je comprends pas, puisque votre... François est là. Justement, j'ai trop peur de moi. Trop peur de retomber dans ses bras. La dernière fois qu'il est venu, je m'étais juré de... Puis, je veux pas que ça se reproduise. Vous comprenez? Vaguement, oui. Alors c'est d'accord? C'est-à-dire, je me permets de vous rappeler que je repars demain. Oui, je sais, mais l'important c'est maintenant. Si on rentre ensemble, s'il voit qu'il y a quelqu'un dans ma vie, il comprendra, il partira. Bon. Dites donc, il est pas violent, François, ça risque pas de dégénérer. Hein. Oh non, c'est un romantique, ça va très bien se passer. Alors c'est d'accord? Oh, monsieur Bazeille, vous pouvez pas me refuser ça. Bon, bah, écoutez, si c'est un romantique, d'accord pour l'amour.
marrant parce que jamais j'aurais pensé que cette bonne femme irait jusque-là. Bonsoir. François, mais qu'est-ce que tu fais là? T'aurais pu me prévenir de ton arrivée. Bah, je t'ai téléphoné plusieurs fois, mais j'ai dû tomber sur ton... Enfin, sur monsieur. Ah oui, c'était vous. Oui. Je te présente monsieur... Enfin, Pierre. Bonsoir, monsieur. Enchanté. C'est François, mon... Enfin, tu sais donc je t'ai parlé. Oui, effectivement, François, dont elle m'a parlé. Pierre vit ici depuis quelque temps. Oui, oui, oui. Eh bien, je... Je suis très heureux pour Félix qu'elle ait trouvé quelqu'un. Oui, effectivement, c'est bien qu'elle ait trouvé... enfin, je veux dire... voilà, voilà, voilà. Je pense que t'avais prévu de dormir ici. Oui, oui, oui. Tu t'installes dans l'atelier, tu connais la maison. Tu viens, mon amour. Oui, oui, voilà, bonsoir, monsieur. Bonsoir, François. Voilà, voilà, voilà. Merci, monsieur Bazet. Vous avez été parfait. Mais bah, écoutez, j'ai fait de mon mieux. Parfait. Pour me retrouver couché à côté d'une jolie femme, il m'est arrivé de faire pire, vous savez. Oui. Mais là, c'est juste pour rendre service. Voilà, c'est ça. C'est juste pour rendre service, ça n'a strictement rien à voir. Non. Vous rentrez à Paris demain? Oui, 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 je rentre. Oui. Oui, oui, ça serait stupide de... Qu'est-ce qui serait stupide? Eh ben, de... De faire l'amour. Voilà. Non, parce que là, même en me forçant, je pourrais pas faire semblant. Honnêtement. Hein. Je comprends. Et puis, qu'est-ce que ça nous apporterait? Rien. À part... Oui, non, rien. Non, rien. Rien du tout. Du tout. Travail, je suis très en retard, vous savez. Non, pour Félix, qu'est-ce que vous comptez faire? Pour Félix? Oui. Ah oui, oui, ah bah ça, je ne sais pas encore. Hein. Tout ça est très, très frais. Vous l'aimez? Ah bah oui, forcément, sinon ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Quel con! Non, je vous en prie, reste en calme. Non, non, je parlais de moi, là. J'ai agi comme un vrai con avec elle. J'ai vraiment été un salaud. Oui, bah ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Il faut dire, j'ai des excuses. Oui, mais moi aussi. Alors, je vous assure... Moi aussi, on a tous des excuses. 20 ans, un corps de rêve, des yeux gourmands. J'ai craqué. Entre hommes, honnêtement, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? 20 ans, un corps de rêve, des yeux gourmands. Mais ça, évidemment... Nous, les hommes, on n'est pas armés pour ce genre de situation, pour ces rencontres. Non, ben non, ça, on n'est pas à tout âge. Hein. Dans ces moments-là, on perd la tête, on se rend plus compte de rien. Mais... Même quand on vit avec la femme qu'on aime. Oui, parce qu'il y a même des occasions où on peut oublier qu'on l'aime. Brièvement. Et quand on revient à soi, qu'on court vers elle pour lui dire qu'on a fait une connerie et que ça n'arrivera plus jamais, il y a quelqu'un à votre place dans son lit! Mais c'est sûr, c'est dur, mais enfin, on ne peut pas tout prévoir. Hein. Le pire, c'est que je ne vous en veux pas. Merci. Curieusement, je trouve même... assez sympathique. Bah écoutez, c'est gentil, remarquez moi-même, je vous trouve pas désagréable. Un petit café? Non, 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 merci. Non, mais quand même... imaginez Félix se lit... même avec un type sympathique. J'en ai pas dormi de la nuit.
Bah, mais moi non plus. Enfin, je veux dire... Écoutez, vous n'allez pas vous mettre à pleurer. Non. Hein? Vous n'avez pas le droit, franchement. Vous croyez quand vous êtes parti avec la petite aux yeux gourmands, Félix n'a rien imaginé? Vous croyez qu'elle a bien dormi? Non, enfin, ils n'étaient pas dans la même maison. Ils ne se connaissaient pas. Ils n'ont jamais pris leur pied des yeux ensemble. Oui, ben ça, je reconnais, ça ne va pas être facile, facile, enfin... C'est affreux, on a l'impression que tout s'écroule, que tout est délicieux. Ah, bon, c'est pas vrai, vous avez fait du Robusta. Hein? Mais non, bon, non, rien. Bon, écoutez, François, résumons-nous. Vous êtes sincère, vous aimez vraiment Félix. J'imagine pas la vie sans elle. Bon, écoutez, si vous l'aimez à ce point-là, peut-être que... Je sais pas comment vous dire, hein. C'est un peu difficile à expliquer. J'espère que vous allez me croire, parce que c'est pas ordinaire. Enfin, voilà, Félix m'a demandé de... Tu es là, mon amour? Oui. Salut, François. Bonjour, mon amour. Oui, attendez, non, justement, j'étais en train d'expliquer à François. C'est vrai ce que tu m'as dit cette nuit quand on faisait l'amour? Sûrement, oui, c'est vrai. C'est vrai? Tu veux bien m'épouser? Bah, si je te l'ai dit. Tu es sûr que je te l'ai dit? Oui. Oh, je t'aime, Oui, je t'aime. Moi aussi. Moi aussi, je suis désolé. Ça va, toi? T'as bien dormi? Après, qu'est-ce que t'as encore renversé du café sur mes notes? C'est moi, hier soir, j'étais jaloux. Bon, j'en peux plus, là. J'en ai marre. Vraiment, moi, je sais pas ce faire. Je sais pas faire semblant. Moi, je suis désolé, mais non. Hein, non. Écoutez, c'est intenable. Moi, je sais plus où j'en suis, là. C'est terrible. Je ne sais plus. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Hein? Bon, parce que jusque-là, bon, ça va. Mais demain, hein? Demain, hein? Si on se prend au jeu. Oui, non, parce qu'on n'est pas à l'abri. Hein? Cette nuit, c'était plutôt... Mais moi, je ne suis pas fait pour ça. Ça va trop vite pour moi. Hein? Moi, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir. J'ai horreur des surprises. Hein? D'ailleurs, voilà, c'est ça la vérité. Je déteste les surprises. Il est souvent comme ça? À vous deux, ça doit être l'enfer. C'est pas vrai, vous allez pas partir, pas maintenant. Mais si. Pierre, j'ai besoin de vous. Mais non. Si, et plus que jamais. Non. Et cette nuit, vous l'avez déjà oublié? Cette nuit, j'aurais bien fallu qu'il ne se passe rien. Hein? Moi, je ne veux pas tomber amoureux de vous. Je ne peux pas, je n'en ai pas le droit. À cause de votre faim? Mais non, je suis pas marié. Il vous aime, votre François. Il vous aime. Il est fou de vous. Il a fondu en larmes dans la cuisine. Alors, il sait très bien qu'il s'est comporté comme un vrai salaud. Il le sait. Il vous a fait du mal. Mais il le regrette. Il le regrette. Tu parles? Je vous assure qu'il pleurait. Enfin, en tout cas, il avait l'air sincère. Tiens, passez-moi la chemise. Il a toujours l'air sincère. Il pleure sur commande. Il me fait le coup à chaque fois. Moi, je veux bien, mais enfin, s'il est revenu, c'est parce qu'il vous aime. Bon, c'est malin, elle est froissée maintenant. Parce qu'il a besoin de quelque chose ou qu'il y a le dos dans le gaz avec sa nana, comme la dernière fois. Puis je lui ai déjà dit, je ne veux plus me laisser avoir. Rien qu'une journée. Non. Une journée? Non, c'est trop dangereux. S'il vous plaît. Non. Juste une journée. Bon, d'accord, une journée. Mais une toute petite, hein? Hein? Oui, non, mais à une condition. Oui. Cette fois-ci, on fait vraiment semblant, hein, parce que je... Ah non, oui, non, mais vraiment, hein. Mm-hmm. Hein, oui, à nous, parce que sinon... Hein. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des jours où c'est possible, des jours où c'est pas possible, et là, c'est non. Bon. C'est ce que tu veux, mais je t'aime toujours. Oui, c'est trop tard. J'ai fait la connerie de ma vie, mais merde, ça peut arriver à tout le monde. Oui. J'arrive pas à croire que c'est sérieux entre ce type et toi. Et pourtant... Au
vous connaissez depuis longtemps? Tu l'as rencontré où? Ça n'a aucune importance. Ah, mais je sais ce qui s'est passé. Oui, bon, tu étais seul, tu m'en voulais, il est plutôt sympathique. Bon, tu as couché avec lui. Hein. Même si je l'avais mal, ça, je peux pas te le reprocher. La seule différence, c'est que moi, je t'aime. Bonsoir. Je suis sûr que tu te trompes. Je resterai ici jusqu'à ce que tu comprennes. Je t'aime, Félix. Et je refuse de te perdre. Bon, Félix, si on parlait sérieusement. Je crois qu'on l'a déjà fait. Oui, non, non. Non, non, mais il serait peut-être nécessaire qu'on parle. Oui, oui. Allez-y, François. Allez-y, parlez. Tu veux du fromage, mon ami? Non, merci, non, non. Non, non. Allez-y, allez-y, parlez, François. Mais voilà, il y a un petit problème. Bah, c'est sûr, même un gros. Mais non, il n'y a aucun problème, mon amour. Non, mais si, si. Et si, pour la maison, qu'est-ce que vous comptez faire? La maison, quelle maison? François, qu'est-ce que la maison vient faire là-dedans? Je te rappelle que nous l'avons acheté à deux. Et si nous nous séparons définitivement, j'aimerais bien récupérer ma part. Vous me comprenez, Pierre? Mais oui, mais parfaitement. D'ailleurs, je pense justement qu'il faudrait d'abord... Puis on n'a rien à voir dans cette histoire de maison. Oui, non, non, ça, non, pour la maison, non. Si, si vous avez l'intention de vivre ici. Oui, mais... Mais enfin, ça te regarde pas. Pierre fait ce qu'il veut. Oui, bon, pas toujours, hein. Pas toujours. On peut trouver un terrain d'entente. En plusieurs fois, ça vous irait. Non, non, je veux pas vous forcer la main, vous mettre sympathique. Bon, enfin, si vous refusez, il faudra le vendre. Et pour Félix, ce sera un drame. C'est ta petite nana qui t'a ratiboisé? Non, je l'ai quittée. C'est pas plutôt elle qui serait barrée? Non, non, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Ah oui, il a fait l'erreur. Tu parles. Mais personne n'est à l'abri, hein, c'est personne. La vérité, c'est que maintenant que le sol est fauché, alors tu reviens vers moi. Tu vois, je te l'avais dit. Quelqu'un veut du café? Je suis sûr qu'il t'aime pas. On est toujours au train de 8h30? Oui, oui, 8h32. Tu veux que je mette le réveil? Oui, merci, 7h. 7h ou 7h02? Et je suis désolée, mais là vraiment, je ne peux pas rester plus longtemps. Oui. Je sais, votre roman. Oui, voilà, mon roman. Bonne nuit. François, mais qu'est-ce que tu fous là? Je m'attendais pas de tomber là. Allez, mon François. Ah ben, ça me fait vraiment plaisir pour Félix que tu sois revenu, tu sais, parce qu'elle a passé de sale moment. Hein. J'ai bien cru que ça ne remettrait jamais de ton départ, jamais. Hein. Vraiment? Bah évidemment, si tu te le dis. Bon, enfin, maintenant t'es là, tout va s'arranger. Où est-ce qu'elle est? Elle a déjà couché, hein? Oui, avec son amant. Attends, son amant, quel amant? Un type qui était là quand je suis arrivé. Plutôt sympathique, d'ailleurs. Ah bon? Je suis vraiment désolé pour toi. Je te remercie. Enfin, bah, tu l'as un peu cherché quand même. Bon, mmh. Je sais, je sais. Tu me prends ça? Et le locataire, je l'avais envoyé, il est où? Je sais pas, j'ai pas vu de locataire, moi. Comment ça, t'as pas vu de locataire? Ah, non. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Il est toujours au premier chapitre, puis on sort en juin, c'est la catastrophe, là. Non, attends, je sais ce qui s'est passé, c'est ça. Il a dû s'engueuler avec Félix et puis il s'est barré. Bah, c'est ça, la dernière fois que j'ai eu au téléphone, il pouvait plus la supporter. Hein. Faut dire que quand t'es Sima, elle est plutôt chiante. Hein. Ça fait partie de son charme. T'es vraiment amoureux, toi, hein? Bah oui. Bon, il faut absolument que j'y parle. Où est-ce qu'elle est, là? Bah là, dans la chambre, avec son amant. Bon, bah, allons-y. François, arrête, tu te fais du mal pour rien! Non, Philippe, c'est pas François, c'est Olivier. Il faut absolument que je te parle sur jambes. Qu'est-ce qu'il fout, là? Je sais rien. Oh, merde! Une minute! Bah, où est passé Pierre? Qu'est-ce que tu lui as fait? S'il me trouve là, c'est l'horreur, il connaît ma femme. Vous avez dit que vous n'étiez pas mariée. Enfin, il la connaît quand même. Félix! Vivre ça à mon âge, merci, madame Chastel, merci beaucoup! Félix, tu m'ouvres, je rentre! Je vous ai rendu service, c'est à votre tour maintenant. Vous ne savez pas où je suis. Vous ne savez pas où je suis! Excusez-moi, monsieur, mais il faut absolument que je parle à ma demi-sœur, c'est urgent. Voilà. Félix, où est passé Pierre? Je sais rien. Alors là, il n'y a vraiment pas de quoi rire. Non. J'aurais jamais dû l'envoyer ici, moi. J'aurais jamais dû lui confier ce bouquin. Alors, un chapitre et puis plus rien, plus un mot, plus une ligne.
Voilà, ça m'apprendra à vouloir être sympa avec un écrivain raté. Alors, il fait des numéros de charme à tout le monde, il séduit, mais il n'y a rien derrière. Il creux. Vraiment? Eh oui, j'aurais dû m'adresser à Coulon, il n'a peut-être aucun talent, mais il rend sa copie à l'heure, lui au moins. Alors. Je ne pense pas que Pierre, enfin Monsieur Bazaille, soit si nul que ça. T'es, franchement, tu fermes de la mettre en veilleuse, parce qu'un coucher avec son amant, avec son mec est en bas, hein, entre nous, même en étant moderne. Hein. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que je vais faire, maintenant? Il faut absolument que je sorte ce bouquin en juin, sinon je peux fermer la boutique. Là. Qu'est-ce que je suis con. Bonsoir, Olivier. Je te dis qu'on faisait semblant. Mais c'est ça. Tu faisais semblant de te cacher à poil dans le lit de ma demi-sœur. C'est crédible, ça. On dirait un de tes romans, tu vois. Elle m'a demandé de jouer son amant parce qu'elle avait peur de retomber dans les pattes de François. Mais tu peux comprendre ça, quand même, non? Et si rien passait, après, je veux dire, vous avez pas... À poil? Je te dis qu'on faisait semblant. Mais le bouquin, tu fais semblant aussi? Le bouquin... Ah oui, le bouquin, oui, non, ça, alors, dès que je suis de retour à Paris, je m'y remets. Toi, tu te fous de moi, là? Entre le compresseur, la potière et son mec, pour se concentrer, hein. Oui, si je comprends bien, tu peux te concentrer nulle part, quoi. Ça devrait pas t'étonner, tu l'as dit toi-même, je suis un écrivain raté que tu fais travailler par pitié. Coulon. Non, Si, tu l'as dit. Coulon. Coulon. Non, voilà, bah, j'étais un peu énervé, hein. Tu me connais, dans ces cas-là, je dis n'importe quoi. Faut pas t'énerver pour ça. Coulon. Bon, alors, pour nous résumer, qu'est-ce qui t'a pris de jouer l'amant de Félix? Je te dis que c'est elle qui me l'a demandé. Mais t'aurais pu refuser. Oui, ben je suis désolé, je ne sais pas. Et surtout pas une jolie femme en détresse. Ouais. Oui, non, parce que ta demi-sœur, hein, sous ses airs de garçon manqué, elle est très fragile, figure-toi. Ouais. Oui. Alors pour nous résumer, comme tu dis. Mais si tu pouvais, ce serait bien parce qu'on sort en juin. Hein. J'ai découvert une femme attachante, rare, meurtrie. Alors évidemment, elle n'est pas facile, mais si on sait l'écouter, l'apprivoiser. Attends, regarde-moi. Oui. Il ne s'est vraiment rien passé entre vous. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as raconté des conneries. Tu le connais à peine, ton locataire. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Bah tout, j'avais raison. C'est pas une histoire d'amour, c'est juste un coup de tête. Ah oui? Eh oui, une vengeance. Et si c'était plus que ça? Qu'est-ce que t'as à attendre de lui? Il va rentrer à Paris, puis il va t'oublier, c'est tout. Un auteur. Il t'a senti fragile, et puis voilà. Faut jamais leur faire confiance à ces types-là. Ce sont des spécialistes du mensonge. La confiance, à quoi ça sert? À souffrir quand l'autre vous a trahi? Félix. Tu crois pas qu'on s'est fait assez de mal comme ça? C'est toi qui as commencé. Je sais. Et tu me l'as fait payer. Mais si on oubliait tout ça? Si on recommençait à zéro? Je crois pas que ce soit possible. Pourquoi tu m'aimes plus du tout? Non. Je t'ai trop aimé. Et moi, j'ai pas su t'aimer. L'histoire d'amour gâché, quoi. On oublie tout, puis on se met au travail. Hein. Faut qu'on plie deux chapitres aujourd'hui, minimum. T'en es où, hein? Tu crois pas qu'on ferait mieux de rentrer à Paris, non? Ah, non, à Paris, je suis dérangé sans arrêt. J'ai coup de téléphone, des réunions, des déjeuners, il y a une gaie. Non, ici, on coupe les portables, on retrouve ses manches. Inspiration. Alors, allons-y. Bon, je suis désolé, mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que j'ai horreur d'avoir quelqu'un derrière mon dos quand je travaille. Ah, ça, je sais, c'est pour ça que je suis envoyé ici. Alors, belle réussite, au lieu d'écrire, tu couches avec ma demi-sœur. Non, j'ai pas vraiment couché avec elle. Et tu mens, en plus, et mal, allez. Bon, alors, on va reprendre. Au début du chapitre 8, là. Alors, Sachiko, après sa nuit d'amour avec Akira, est en plein désarroi. Allez, vas-y, tape. Non, je peux pas écrire ça, ce sont des notes. Faut que je peaufine, faut que je travaille. D'accord, ça me semble parfait, ça. Non, en plein désarroi, c'est pas du tout le sens du mot japonais. C'est plus subtil, hein, c'est plus... C'est un roman de femme, c'est très clair, ça. Bon, elle a couché avec lui, elle se sent coupable, elle est pas bien. Qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux, là? Bon, écoute, j'en sais rien. Tu veux pas me faire un café, hein? Tu te trompes pas, de l'arabica. De l'arabica! Il faut que je vous parle. J'ai eu une longue conversation avec Félix, maintenant j'en suis sûr, c'est moi qu'elle aime. Elle vous l'a dit? À demi-mot. Ah oui? Oui, enfin, tant que vous êtes là, elle est pas à l'aise, elle se sent coupable, enfin, elle peut pas... Non, attends, François, t'es bien gentil, mais c'est vraiment pas le moment. Pierre est déjà très en retard, pour les raisons que nous savons, et on sort en juin. Mais je m'en fous de votre bouquin, moi, je m'en fous, ce que je veux, c'est récupérer Félix. Comment vous dire, je suis en plein désarroi, là. Tiens, tu vois, désarroi, tu vois, je t'avais dit que c'était le bon mot, y a pas mieux, tiens. Allez, viens, toi, faut qu'on parle de ça, Chico. Viens. De qui? De Félix. Puis travaille, toi. Et mon café? Oui, bah, il coule, ton café. Allez, viens. C'est déjà formidable qu'elle ait fait un pas vers toi. Hein. Tu crois? Ah bah oui, je crois ce que tu lui as fait subir.
Bon, évidemment, elle a pas succombé tout de suite, hein, tu connais les femmes. Hein. Ouais, ton auteur la noix, elle a succombé assez vite. Hein. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Lui, elle l'aime pas, alors. Tu connais les femmes. Ouais. Tu crois? Ta petite aux yeux gourmands, là, elle a pas fait trop de manières, si je me souviens bien. Bah non, non, pas vraiment. Mais... Ouais, elle t'aimait pas. Ouais. Dis-moi, toi qui connais les femmes, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Partir. Hein. Ah non, non, c'est à l'autre de partir, hein, je suis chez moi. Non, 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 erreur, tu te trompes complètement. Si tu pars, tu vas lui manquer, Félix, mais si tu restes, tu vas l'ennuyer. Hein. Et puis, je suis là, moi, maintenant, je vais lui parler, à Félix, à raisonner, mais lui faire comprendre que sa place est auprès de toi, que Pierre ne l'aime pas. D'ailleurs, il l'aime pas, tu es sûr? Ben, je connais les hommes, quand même. Il était là, tout seul, elle était là, toute seule aussi. Bon, ça peut arriver, hein, c'est humain, mais c'est tout. Ouais, c'est ce que je me suis dit, moi aussi. Oui. Bon, ben, je vais dire à Félix que je pars. Ah non, 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 erreur, hein. Non, tu pars sans un mot. Comme ça, elle va s'inquiéter, elle va se poser des questions, être en plein désarroi, elle aussi, quoi. Merci, Olivier. Ben, je t'en prie, oui. Bon, ça y est, j'ai réussi à le faire partir, comme ça on va enfin être tranquille pour travailler. Alors, ça te fait quoi, après cette nuit de... Non, mais attends, t'en es toujours là, qu'est-ce que t'as foutu, là? Je me suis habillé. Pour taper à la machine? Non, alors, ça te fait quoi, après cette nuit d'amour, avec Akira, est en pleine confusion? Ah non, c'est pas bon, ça, confusion. Non, non, je préférais des arrois, moi, confusion, c'est confus, ça parle pas, ça, non. Comme tu veux, allons-y pour des arrois ou pour en neige, je m'en fous. Oui, allez, attends, mets des armoires, enlève confusion. Mais François! Où tu vas? Aux toilettes. Tu te trompes de porte? De quoi je me mêle? Pierre, tu te trompes. Eh bien, on va se faire un petit arabica, puis on va parler un peu entre hommes. Hein? Ça t'aurait amené où? Non, mais attends, tu te vois vivre ici? Tu sais même pas conduire. Lourd, c'est malin. Bon, tu reprends tes esprits, hein, tu vas aller dormir. Demain, lever 6 heures, un petit jogging et 3 chapitres. Le jogging, c'est peut-être pas... Si, ça vide la tête, ça décrase le mental, tu verras, t'en as vraiment besoin. Okay. Bon, évidemment, pas un mot de tout ça, Laurent. Oui, bah, tu me connais. Oui, bah, justement. Ah, vous êtes là? Oui. Mais on travaille. Oui, voilà, on travaille. Oh, bah, excusez-moi. Pierre, sois raisonnable. Bon, écoute, il faut que je lui parle. Non, toi, tu vas te coucher, moi, je lui parle. Bon, mais enfin, je te rappelle que c'est ma demi-sœur. C'est la première fois que tu trompes François? Oui. Mais c'est sûr? Ben oui. Oui. C'est pour ça que t'es paumée. T'en reviens pas toi-même, hein. Tu te persuades que t'es amoureuse. Parce que tu te sens coupable et en même temps flattée. Comme quand t'étais gamine et que tu faisais une bêtise. T'as partagé entre l'excitation et la honte. Hein. Tu cachais ton fameux petit chat dans ta chambre, tu te rappelles? Tu faisais exactement la même tête. Plus 8 ans. Ah si, mais pour bien des choses. Hein. Arrête. Alors, enfin, je connais Pierre, bon, il n'est pas du tout fait pour toi. Il est obsessionnel, tatillon, râleur. C'est vrai, mais il est aussi drôle, désarmant, charmant. Il a une vie aussi. Ouais, il t'a parlé de Laurence? Pas de moi. C'est une femme merveilleuse, Laurence. Déjà pour le supporter. Non, c'est un couple magnifique. Où il l'a pas épousé? Je sais pas, moi, ils sont heureux comme ça. Entre nous, l'homme de ta vie, c'est François. Tu parles. Mais si, il a fait une connerie, mais c'est un homme, c'est tout. Il t'aime. Pourquoi il s'est barré alors? Eh bien, justement, parce qu'il t'aime. C'est ça, oui. Je t'aime, je te trompe, je t'aime, m'en vais. Il est parfait.
Il fallait trouver sa place, c'était devenu insupportable. Pourquoi il s'attirait avec une petite nana si même tant que ça? Eh bien, je vais te le dire, moi, pourquoi. Bon, je lui cherche pas d'excuses, mais à sa place, j'aurais fait exactement pareil. Ça m'étonne pas, tiens. Attends, mais regarde les choses en face. Il rencontre une femme mignonne, élégante, raffinée. Petit à petit, elle se transforme en potière mal embouchée. N'importe quoi. Attends, depuis combien de temps t'as pas mis une belle robe, hein? Depuis combien de temps tu t'es pas maquillée, t'es pas coiffée? J'en sais rien, mais c'est pas ça le problème. Mais si, c'est votre problème. Enfin, vous nous charmez, vous nous séduisez, puis au bout de quelques temps, vous pouponnez, vous cuisinez, vous faites du tricot ou des pots. Et vous? Vous lisez votre journal, vous attendez qu'on vous fasse à bouffer, vous regardez le foot à la télé, vous sortez avec des copains. C'est les copains dans le coin. C'est lui qui a voulu qu'on s'installe ici. Ça, je vous l'avais bien dit que c'était une erreur. C'est comme sur un bateau, il n'y a pas un couple qui résisterait. Hein. Peut-être. Bon, alors, tu te ressaisis, tu reprends tes esprits, tu oublies Pierre et la vie continue. Hein. C'est toujours aussi simple pour toi. Hein. Disons que j'évite de compliquer. Oui. Résultat, t'as 50 ans et t'es tout seul comme un con. Félix. Quoi? Pierre m'a affirmé qu'au départ, c'est toi qui lui avais demandé de faire semblant d'être ton amant. C'est vrai, ça? Oui. Donc c'était qu'un jeu, alors? Oui. Au départ. C'est pas vivifiant, ça. Ça vide pas la tête, ça décrase pas le mental. C'est surtout chiant, oui. Qu'est-ce que tu fais, alors? Tu dois pas être mort à vivre, toi, hein? Et pourquoi tu veux l'épouser? Une bonne douche, un litre d'arabica et tronche à pic. Oh merde, ça fait pire encore. Laurence. Ouais, c'était droit de penser plus souvent et de faire des conneries. Hein. Laurence, elle est là. Oh merde. Oh, c'est pour vrai. Mais qu'est-ce qu'il fout là? On va jamais le finir ce bouquin alors. Faut que je parle à Félix. Bah faut même que tu parles à Laurence, non? Bon, ok, c'est toi qui veux lui parler, tu lui dis rien, surtout que tu l'occupes. Tu ne sais pas où je suis. Quoi? Tu ne sais pas où je suis! Sinon, pas de livre! Oh, j'aurais dû appeler Coulomb. Alors, il a aucun talent, mais au moins les femmes, c'est pas son problème. Laurence, quelle surprise! C'est sympa d'être venu jusqu'ici, dis donc. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi, Pierre, t'as rien dit? Non. Ah, tu sais, moi j'adore ce coin, là, c'est rien, c'est magnifique, non? Hein? Oui, il est où, Pierre? Je sais pas, t'as frappé, là, il est pas là? Non. Non, mais moi, je suis parti très tôt ce matin faire mon jogging, là, j'ai pas vu, là. Attends, il savait que tu venais, là? Non, la dernière fois que je l'ai eu, il devait rentrer à Paris, ça fait 3 jours que je l'attends. Oui, non, attends, ça, c'est de ma faute, parce que son travail avançait pas, bon, il se faisait du souci, il se posait des questions, on sait comment il est scrupuleux à l'extrême, il peut passer 2 heures sur un moins de mots, il peaufine, quoi. Alors, je lui ai dit, bouge pas, j'arrive, puis depuis 3 jours, on n'arrête pas, quoi. J'aurais pu m'appeler, non? Bon, non, mais ça aussi, c'est de ma faute. Je lui ai mis la pression. Pas de distraction, pas de téléphone, rien. Concentration, concentration. Sinon, on sortait pas en juin, alors. Mais viens, rentre, on va se faire un petit déj. Viens. Parce que vous pouvez absolument, je vous parle. Oui. Je suis dans une situation inextricable. Moi aussi. Laurence est ici. Qui? Laurence, enfin, disons ma femme, pour simplifier. Ah bon? Oui. Vous croyez qu'elle se doute de quelque chose? Bon, j'en sais rien, les femmes sont très intuitives, elles sentent ces choses-là. Ça fait pas trop tard. Alors, pour le moment, enfin, vous me rendiez service. Moi? Oui. Voilà, disons pour faire court que on s'est croisés, mais on se connaît pas. Hein? C'est vrai. On se connaît assez mal. Mais vraiment, enfin, ça ne plaisantons pas. Alors, dorénavant, chacun chez soi. Puis vous montrez le moins possible le temps que ça sera mieux pour tout le monde. Aimez toujours. Ah, vous savez, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Finalement, ça vous soulage bien qu'elle soit là, non? Pas vraiment, non. Mais si. Comme ça, ça vous évite de choisir. Olivier avait raison. C'est moi qui me suis fait des idées. Mme Chastel, je reconnais, moi aussi, j'ai perdu la tête, quoi. Qu'est-ce qui vous attend d'aller la retrouver? Laurence, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es arrivé quand? J'avais envie de te voir. Ah oui. À toi? Ah non, mais si, attends. Bien sûr, t'es folle. Tu es vraiment content que tu sois là. Hein?
Tu fais du jogging maintenant? Oui, bah oui, tout ça finalement c'est pas mal, ça vide la tête, ça décrasse le mental. Pourquoi vous courez pas ensemble? Oui, non mais il va trop vite pour moi, tu sais, je débute, hein. Barrière, tu bois ton arabica, tu passes sous la douche et puis au travail. Hein. Bon, je vais peut-être m'occuper un peu de Laurence, hein. Oui, mais alors rapidement, parce qu'aujourd'hui, chapitre 14, 15, 16. Tu vois pourquoi je voulais pas que tu viennes. Elle est très jolie, cette maison. Ah oui, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Pour une maison comme celle-là, je comprends qu'on quitte Paris. Enfin, moi, je vous vois pas vivre ici, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le compresseur. Le compresseur? C'est la demi-sœur, c'est la potière. Voilà, ça, c'est la potière. Putain, c'est pour au pistolet. Hein. Ah oui. C'est pour ça se peint. Hein. Voilà, ça se peint comme les potières. Et c'est tous les jours comme ça? Ah, tous les jours. Tous les jours, c'est pour ça que je mets des bouts de caisse, c'est pour ça. Tu supportes ça, toi? Oh non, très mal, ça mérite. Tu te fous de moi? Ah non, ça pas du tout, je te jure que les bouts de caisse, ça mérite pas bien, regarde. Je te rappelle que tu m'as fait une crise et que tu es parti de la maison sous prétexte que les copains de Gaël faisaient trop de bruit. Oui, non, mais je... Je pensais que la maison était calme, propice à l'inspiration. Ah, moi aussi, tu sais ça. Moi aussi. Attends, faut pas exagérer, comme elle compresse pas toute la journée. Hein. Pas toute la journée, non. Bon, alors, elle s'arrête de temps en temps. Non, mais attends, elle habite ici? Oui. Mais tu nous avais dit qu'elle louait sa maison? Oui, elle loue sa maison, mais elle habite dans son atelier. Voilà. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Mais je sais pas, moi. Tu sais, je l'entends, mais je la vois pas. On s'est croisés une ou deux fois. Je sais à peine quelle tête elle a. On vit chacun chez soi. En plein stress, là. Je peux pas me concentrer. Félix peut mettre les pieds dans le plat. Mais si c'est rien passé, de quoi t'as peur? Oui, bon, non, oui, non, il s'est rien passé. Enfin, presque rien. Une petite fois. Une petite fois? Oui, enfin, ou deux, peut-être. Ah, t'es vraiment con. Oh, merde. La fille qui bronze à moitié à poil près de la piscine, c'est ta demi-sœur? Ben oui, c'est elle, en effet. Oui. Vu la façon dont tu en parlais, j'imaginais pas du tout comme ça, la potière, hein, Pierre? Hein? Non, moi non plus. Moi non plus. Elle te faisait son petit striptease tous les jours? Je sais pas, tu sais, moi j'étais concentré sur mon roman. Et puis chacun chez soi, hein. Chacun chez soi. Allez, au travail maintenant, parce qu'on n'a pas que ça à faire, on n'est pas en avance. Vous êtes parfaits, tous les deux. Bonjour. Bonjour. On s'est aperçu tout à l'heure à la piscine. En effet. Je pense que vous êtes la demi-sœur d'Olivier. Exact. Je suis la compagne de Pierre Bazet, votre locataire. Ah oui, très bien, très bien. Vous habitez ici? Quand j'ai un locataire, oui. Ce sera joli ce que vous faites. Merci. Vous avez couché avec Pierre. Vous voulez me faire un peu de place? Merci. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Ah bon? Il vous a déjà trompé? Oui, oui. Et vous en parlez comme ça, sans émotion? Oui. Vous n'êtes pas jalouse?
Je croyais ne pas l'être. Et puis je l'aime. Et pour vous, ça suffit? Au début, on vivait chacun chez soi, chacun pour soi. Puis un jour, il a vendu son studio, il est venu vivre avec moi. Je croyais avoir gagné. Et vous êtes là. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça dépend de vous. C'était comme ça, une petite aventure, ou c'est plus sérieux? C'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'elle fiche? Où est-ce qu'elle est passée, bon Dieu? J'en sais rien, elle est à se balader. On s'en fout. Elle se balader, elle déteste la campagne. Attends, Sachiko, en pleine incertitude amoureuse, est allée voir un bonze au temple voisin, ça te va, ça? Bon, elle va où elle veut, Sachiko, je m'en tape. Hein. Non seulement votre compagnon s'est définitivement tiré, mais en plus, vous avez bousillé mon couple. Vous pouvez être contente de vous, là. J'ai rien bousillé du tout. J'ai déjà bien fissuré votre couple. Sinon, Pierre ne serait jamais venu ici. Il n'aurait jamais accepté d'être mon amant. Aussi facilement, je veux dire. Pour vous venger, vous auriez couché avec n'importe quel locataire. Non. Si ça avait été n'importe quel locataire, j'aurais demandé de faire semblant. Et c'est tout. Ouais. Vous me dites ça comme ça. Je suis désolée, mais j'ai jamais su cacher mes sentiments. Alors, tant qu'on y est, répondez-moi franchement. Vous êtes amoureuse de Pierre? Franchement? Oui, s'il vous plaît. Je sais plus. Et lui? Lui? Je crois qu'il vous aime. J'en suis même sûre. Vous êtes pas vrai. Il n'y a qu'une truce et vous appreniez la vérité. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je rentrerai dans l'art. Alors je vais attendre qu'il me l'avoue sans que je lui demande, c'est plus sûr. Vous risquez d'attendre longtemps. Vous connaissez mal les mecs. C'est vrai qu'ils sont vraiment pénibles. C'est vrai. On est trop connes. On n'arrive pas à se passer d'eux. J'ai fait la connaissance de Félix. Ah bon, oui, oui. Très joli ce qu'il fait. Oui, ouais, oui, enfin, tu sais, moi, les peaux, hein. On a beaucoup parlé de toi. De moi, tu es sûr? Ah oui, elle t'apprécie beaucoup. Je vois pas pourquoi, parce que moi, personnellement... Je comprends pas pourquoi son mec l'a quitté, une fille aussi jolie, aussi naturelle. Elle est charmante. Mais tu sais, elle est surtout complètement... folle, hein. Mais comment tu le sais? Tu l'as à peine croisée. Mais non, je l'ai croisée, non, mais c'est... non. C'est Olivier qui m'a dit qu'elle était complètement... Après ce qui lui est arrivé, la pauvre, c'est un peu normal, non? Oui, bah oui, sûrement, oui. Elle est très amoureuse de ce François. François César. Ah bon, t'as dit ça? T'as l'air d'en douter? Ah non, 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 mais pas du tout. Non, 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 je la connais pas, moi. Je m'en fous. Elle fait ce qu'elle veut, la potière. Hein. Moi, si tu me quittais, je crois que je serais capable de me taper le premier venu. Pourquoi tu me dis ça tout à coup? Parce que je le ferais. Pour me venger de toi. Pour me punir de ne pas avoir su te garder. C'est ridicule. Pourquoi veux-tu que je te quitte? Tu as jamais pensé? Ben... honnêtement, Pierre. Peut-être une fois, brièvement. Hein. Quand t'auras fini ce roman, on pourrait peut-être partir en voyage. Ah, oui, oui, pourquoi pas. Il y a quelques années, tu m'aurais dit oui. Pas pourquoi pas. T'as toujours envie d'aller en Égypte? Qui est là? Chut. François, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'es revenu? Je peux plus me passer d'elle. Je peux plus, voilà. Oh là, non mais attends, t'es bourré là. Non, attends, tu vas tout gâcher. Hein. Je m'en fous, je veux lui parler. Je veux la serrer dans mes bras, je veux lui dire que je l'aime. Oui, attends, tu vas surtout faire une grosse connerie. Non, c'est en t'écoutant que je l'ai faite. J'aurais jamais dû partir. Jamais. Parce que je l'aime. Je l'aime. Non, attends, François. Non, attends, François! Quelle merde! Félix, il faut que je te parle. Non mais... toi, mon salaud, tu sors de notre lit, tu prends tes petites affaires et tu dégages. Bah, enfin, monsieur... la location est terminée, discute pas. Félix,
Fille, je t'aime. Dis à ton amant de sortir de notre lit, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est? C'est moi, c'est François, je t'aime. Je te quitterai plus, je te tromperai plus. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et qui c'est? Laurence. C'est Laurence, ma future femme, pour faire simple. Ah merde, enfin, je veux dire, je suis, comment dire... En plein désarroi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pas tant que moi, monsieur, pas tant que moi. Désolé, hein, excusez-moi. Excusez-moi. Laurence... Oui? Comment t'expliquer, je... C'est tellement... tellement incroyable. C'est pourtant simple, t'as couché avec elle. Oui. Voilà, j'ai couché. Une petite fois. Hein. T'es deviné tout de suite, j'espérais que tu me l'avouerais. Oui, enfin, tu sais, au départ, c'est elle qui m'a demandé pour se venger de son François. Enfin, c'était juste pour faire semblant. T'as jamais su mentir. Voilà. Je sais pas. Ou alors très mal. T'es tombé amoureux d'elle. Je l'ai cru, oui. Enfin, brièvement. Hein. Et maintenant? Je voudrais que tu me pardonnes. Quand tu m'as présenté comme ta future femme, t'étais sincère ou t'avais peur qu'il te casse la figure? Non, non, c'était sincère. Je veux bien essayer de te pardonner. Merci. Je te préviens, si j'y arrive, je te laisserai plus jamais partir. Même pour travailler. T'as couché avec lui uniquement pour te venger de moi. T'es pas amoureuse de lui. J'en sais rien. Mais non, mais je sais, c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi avec la petite. C'est un coup de folie, c'est tout. Mais c'est pas si simple. Mais si, écoute-moi. On va vendre la maison et on va partir en voyage. T'as toujours envie d'aller en Égypte? Eh ben, dès demain, je m'en occupe, d'accord? Écoute, François. Mais écoute, je sais que tu t'en veux. Bon, on va essayer d'oublier cette histoire. Ça va pas être facile, bon, j'en ai pris plein la gueule, mais... Mais pourquoi tu m'as fait ça aussi? Tu veux vraiment savoir pourquoi? Pour me venger de tout ce que tu m'as fait subir. J'ai demandé à Pierre de faire semblant d'être mon amant. Ah, d'accord. Ah, bien joué, là. Ah, j'en étais malade de penser que t'avais couché avec ce type, là, mais malade. Mais j'ai couché avec lui. Je comprends pas, tu viens de me dire que tu faisais semblant? Mais je suis tombée amoureuse de lui. C'est pas vrai. Si. Enfin, c'est dégueulasse, moi. Moi qui jamais douté de toi, moi qui te croyais différente des autres. Alors là, le premier qui passe, là, tu t'allonges avec. Et un mec marié, en plus, ah bah bravo, hein. Quand je pense que vous avez des scrupules, vous êtes bien toutes les mêmes, tiens. Au revoir, Mme Chastel. Je suis désolé, tout ça, c'est de ma faute. Non, c'est moi qui vous ai provoqué. Oui, j'ai adoré ça. Parce que c'était son lendemain. Peut-être, oui. Même libre n'aurait pas tenu 3 mois. On est trop différents. Bien sûr. Même en faisant des efforts. Vous êtes trop compliqué. Là où vous êtes trop... Trop tout, quoi. Mais oui. On s'embrasse. Faut peut-être plus faire semblant, non ?